Les Lions ont été vraiment à la hauteur et nous les remercions. Ils ont montré beaucoup de courage. Et nous, population de sénégalais, en l'occurrence les Jachram, nous sommes très fiers de nos Lions. Pour la suite, nous pensons que, Inch'Allah, nous aurons une deuxième étoile, Inch'Allah. Parce que, vu cette équipe-là, avec une grande expérience, parce que, comme l'a dit mon confrère El Hadj Diouf, bon, les Sénégalais manquaient d'expérience de compétition. Maintenant, ils l'ont acquis. Donc, je pense que pour le reste, ça va être plus facile, quoi. Inch'Allah. On a une grande équipe. Et surtout une équipe jeune. Une équipe très, 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 très jeune par rapport avec les Sadio Mané et Koulibaly. On a une équipe très, très, très jeune. C'est pour cela. Ils sont en train de se montrer leur compétence, leur valeur, leur expérience. C'est pour cela. Moi, j'espère qu'actuellement au Sénégal, on joue sur la valeur qu'ils ont en Europe. C'est pour cela. Un excellent match de football. Bon, mais il faut vraiment revoir la défense. Bon, tu ne peux pas avoir un gars Abdoulaye Seck qui est le maître hors du terrain. Ça, je dis que c'est pas possible. Bon, à un moment, la défense a flanqué. Donc, c'est ce qui nous a amené. Mais tous les trois buts du Sénégal ont été travaillés et normalement. Bon, c'est des très, 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 bon, très beaux. Oui, j'ai confiance pour la suite. Mais il faut revoir la défense. C'est la défense qui cause problème. Les jeunes sont vraiment en bonne forme. Mais si j'analyse la situation en tant que psychologue, il y a beaucoup de dangers. Vous avez tous remarqué que vers les 10 ou 15 dernières minutes, il y avait un peu de ils étaient frêles, ils étaient frileux. Et les fins de compétition, c'est ce qui détermine le résultat. Heureusement, parce que le plus souvent, on a eu des sueurs froides vers les fins de compétition. Et c'est ce que j'ai toujours proposé aux équipes nationales du Sénégal, qu'il faut absolument un accompagnement psychologique pour leur faire mener le combat jusqu'au dernier coup de sifflet final. Deux ans,